revoilà. Il était en train d'ordonner des conneries pour lui faire patienter. Même pas. Donc je me suis pas perdu dans les WC, par contre j'ai trouvé des dés. Donc un dé. Vous êtes pas nombreux, ça tombe bien, j'ai pris test tous à D6. Il y a un dé qui vient de s'enfuir. Donc voici un dé. Je vais donc lancer le dé pour savoir qui va choisir le job de Faris. Alors, Pupus, tu choisis le job de Faris. Est-ce que je te remets la liste? Je vais te remettre la liste. Ah, c'est bon, j'ai la liste. Bah attends, je la remets quand même. Donc vas-y, choisis le job de Faris. Que comme Nightbot est un petit peu Night, c'est parti. Alors maintenant le job de Lena, je vais retenter de donner la main à Nightbot. Ah, Nightbot remarche. Donc c'est encore toi. Oh non, mais refais le tourner, c'est pas juste pour les autres. Ouais, mais Nightbot il va plus marcher. Voilà. Voilà, Nightbot il veut plus. Ouais, c'est pas ça. Bon bah je relance un dé. Donc ceci est un 1. Quoi là? Ma chère Koala, c'est à toi de choisir le job de Lena. Trollbot, totalement. Mage blanc. Adjugé vendu pour mage blanc. Comme elle n'a pas beaucoup été dans ce job là, on peut dire que c'est un peu une faux mage blanc. Je sais, je l'ai déjà faite. Terrain, ça me semble bien. Et maintenant, job de Pulse. Retente. Non. Bon. Un dé. Le dé a donc fait 4. 4. Willou, Willou, es-tu là? Willou, es-tu là? Voilà. Willou, es-tu là? On va y arriver, hein. Nous avons besoin de ta choisisation, Willou. On dit pas choisitude? Non, choisisation pour le coup. Bon, je pense que je vais pas tarder à remettre en jeu parce qu'il faut quand même avancer un petit peu. Et le dé a encore fait un 2, ce qui retombe. Ah, ça tombe sur Code, mais je crois que Code il est pas là non plus. Je vais relancer. Alors Code, tu as peu de temps pour te manifester si tu es là. 5.
Grand Shepard. C'est à toi. Voilà, avec les cris, parce que c'est vrai que ça va plus vite. Dragoon, les dragoons c'est pas badass mais c'est classe. Attends, j'ai un problème. Les dragoons c'est totalement classe. C'est totalement overpété du classe en fait. Leur donner ça. Un dragon, c'est un dragon à foufoune. Pas tout à fait, mais pas loin. On va vérifier que tout le monde soit stuffé correctement. Hein. Donc voilà. Tout le monde est stuff, on peut y aller. Il faut aller voir si des mids. Donc on va aller voir s'ils sont par là. Mais non, il n'y a plus de dernier. Parce que le dernier, il est parti dans sa comète. Il s'est barré, il nous a lâchés. Il n'y a plus que 3 persos. Alors, est-ce qu'ils sont par là, les zouaves? Oh, une note. Ils sont retournés là où on a trouvé l'adamantite pour la reposer. Et oui, il n'y a plus que 3 persos. Ok, bonne touche, pupus. Le son, si je finis quand même dans une demi-heure, hein? Je suis crevé. D'accord. Bon, de toute façon, je finis dans une demi-heure. Je vais quand même continuer. Donc. Ce que j'aime bien, c'est quand même, on a le seul moyen de transport, mais ils arrivent à trouver le moyen de se déplacer. C'est ça qui est magnifique. Donc, on va les trouver là. On va aller par là. Je vais juste sauvegarder avant, histoire de principe, de précaution, tout ça. Il n'y a pas de problème, quoi, là. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant qu'on a notre équipe, il va falloir aller chercher Mid et Seed pour trouver comment retourner. Comment aller dans le monde de Galuf et Kara. On va venir un peu. Il y a de l'énergie, machin, tout ça. Si on remet toute la puissance du truc, on pourra peut-être aller dans le monde de Galuf. Donc il faut aller trouver les 3 autres météores. Ouais, bah c'est le principe aussi. C'est aussi le principe dans le premier Fallout où tu vas directement finir la quête principale, quoi.
vu que tu peux. Météore suivant. Alors, de mémoire, celui-là est chiant. Ma mémoire me dit que ce météore-là est chiant. On va aller voir. Je suis pas sûr que ce soit celui-là, mais je sais qu'il y en a un qui est très chiant. Voilà, c'est celui-là, il est très chiant. Voilà. Et maintenant, ça va être compliqué. Ouais, là, ça va être très, très, très compliqué. Ouais, ça va m'être pas possible avec cette team de le faire correctement. HP, ok, ça c'est bon. Alors là, c'est pas cool en fait. Non, c'est pas ça, c'est que là, c'est précisément un combat où je dois avoir des attaques sur tous les mobs. Donc, là, si, ça va pouvoir passer. Normalement, peut-être. Bah non, j'ai plus de sort de zone. Et donc là, je dois attendre que le dernier explose. Tout bêtement. Parce qu'en fait, si je les tue, ils vont ressusciter les autres. Donc si je le tue, il va ressusciter tous les autres full HP. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je vais vérifier un truc. Combien il a de HP? 700. Je vais quand même lui faire un peu. Je vais encore le retaper un coup. Voilà.
Je peux plus attaquer en zone. Ouais, c'est 10 mobos. Et voilà, c'est passé. Et j'ai appris une nouvelle skill en plus. En fait, les deux solutions ici, c'était soit tous les tuer en même temps, soit d'attendre qu'ils explosent. Donc, il y a un météore ici. Pareil, on va sauvegarder. On va cliquer une tente. Et on va y aller. Et donc là, on va encore avoir un autre boss. Et voilà l'autre boss. Qui est Titan. Alias Combat 2. Oh putain. Il fait hautement mal. Titan fait quand même super mal. Voilà, c'est tout à fait ça. Faire du cure d'eau, on va pas trop réfléchir. Alors Shaker, ça fait super mal, mais Titan est mort. Et j'ai obtenu l'espère Titan. Et ça, c'est classe aussi. Une fois que t'avais pas fait gaffe. Que c'était un espère? Et oui, c'est ça qui est classe. Maintenant, faut aller s'occuper de la suite. Puis avant de s'occuper de la suite, je vais quand même faire un truc intelligent, moi. Agissons peu, agissons bien, agissons intelligemment. Voilà, Titan, c'est une invoque, hein. C'est une bonne vieille invoque des Final Fantasy, donc fatalement, quand tu l'affrontes, tu sais qu'après, tu vas l'avoir dans ton équipe. Voilà, après le Smogogo, le Mashupper avec séisme. T'as tout compris.
Alors, pour ceux que ça intéresse, sur Steam, Risk of Rain est à moins 75%. Si vous n'avez pas Risk of Rain et que ce jeu vous intéresse, il est à moins 75% sur Steam. Le dernier météore. J'ai oublié de sauvegarder par contre. Heureuse, Cécile. Comment ça va? Ici, on a bien avancé. Ouh, ça va faire mal. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire en termes de dégâts dans ma tronche. Mais maintenant qu'on a les chevaliers du swag, on ne peut plus. On aurait pas dû faire ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Gros bobo, ouais, ça avance bien. Ouh. Oh, c'est juste. Oh, ça tient pas. Ah, c'est passé. Et j'ai appris à quoi bresse en plus. Donc maintenant, le Blue Mage, ça va commencer à être OP. Hein. Je vous le dis, j'ai des skills pour le Blue Mage. Donc ça va commencer à vraiment le faire. Alors, c'est l'heure de partir vers un autre monde. En route vers un monde meilleur. On va sauvegarder avant quand même. Hop. N'oublions pas que je n'ai plus que 3 persos. Gyaluf étant parti dans son monde en avance. Là, c'est quand même la téléportation façon Power Rangers. Hein. Je veux pas dire, mais la téléportation façon Power Rangers, c'est la classe. Ok, bah bonne nuit Koala. Repose-toi bien. Blarf, et on tombe sur une île à tête de cochon. Qui ressemble à une tête de cochon, c'est tellement magique. Je crois qu'ils sont allés jusqu'au mode 9 en fait. Donc nous sommes arrivés, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà la carte du nouveau monde dans lequel on est. Hein. Un mec qui s'appelle Pao, qui est un petit nain gris bizarre. On lui a pété sa jetron. Hein.
Encore un. Le combat n'est pas très ardu. Et vous notez que ce mob me drop une tente. Serait-ce un signe? À votre avis, serait-ce un signe? Je sais pas, j'affronte un mob deux fois le même et les deux fois le mob me drop une tente. Je serais tenté de dire qu'il faut que le jeu veut que j'utilise une tente. Ok. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à finir non plus. Surtout qu'il commence à y avoir du drop de frame à l'infini. Là, les frames commencent à dropper, donc ça doit vouloir dire que c'est l'heure de s'arrêter. Un monstre! Au secours! Là, je peux rien y faire en plus à ce drop de frame. Alors je suis désolé, ça drop à l'infini, c'est horrible, je peux rien faire. J'ai aucune capacité d'action là-dessus. Je vais vérifier un truc. Ah si, je peux faire quelque chose au drop de frame, mais c'est en cours. C'était juste mon téléphone qui faisait ses backups. J'adore, je tue le monstre, donc... Oh, un coffre, si j'ouvris le coffre. Oh, du gaz soporifique. Pouf. Non, là, c'était juste mon téléphone qui faisait son backup, en fait. Mais c'est bien, je crois que j'ai résolu le problème de mes drops de frame à heure fixe en fin de journée. Bah oui, mais mon téléphone, il sauvegarde ses données en dehors du téléphone, parce que c'est en cas de le téléphone il explose, je perds pas mes données. Mais il faudra que je planifie la tâche plus tard, en fait. Parce qu'il est planifié à un horaire de merde. Donc... Ouais, si je fais ça à 3h du mat, ça ira mieux. Voilà. Bonne nuit. Ah oui, non, là, dans le jeu, oui. Voilà. Donc j'ai rétabli, ce qui fait que normalement, je ne devrais plus avoir ce problème à l'heure fixe. J'ai eu un éclair de génie, d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai que mon téléphone fait ça. Pendant que le grand méchant signale qu'il a des otages. Faut toujours se méfier des otages. C'est mes copains, faut aller les sauver. Et voici Gilgamesh. J'adore ce perso dans ce jeu. Et donc maintenant j'ai Galuf. Donc ça va être l'heure. J'ai récupéré tout le stuff.
Et donc, Gégaluf, vous savez ce que ça veut dire? Je vous redonne la liste des classes. On espère que Nightbot n'est pas réparé, donc on va réutiliser le dé. Le dé magique du destin qui va me permettre de choisir qui. 4. 1, 2, 3, 4. The Seal! Alors, The Seal, c'est à toi de choisir! Nightbot, il s'est pas arrêté de la soirée en fait. Heureusement que j'ai pas des milliers de viewers. Heureusement que vous êtes pas trop nombreux, sinon ce serait la merde. Donc vas-y, choisis le job de Galuf. Voilà, je t'ai donné la liste et tu dois choisir comme tout à l'heure. Monk, j'adore le Monk. Les Monks, c'est stylé. Vu qu'il est seul, on va lui donner Escape. La porte est verrouillée. La porte est verrouillée. Je crois que le jeu me donne un message là. On va sauvegarder au cas où. Alors ici c'est du régène. C'est bon à savoir pour tout à l'heure. Sinon je pense que je vais récupérer l'équipe complète et qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter après avoir récupéré l'équipe complète. Ah, totalement. Et c'est parti. Putain. Bon, toujours pas. Allez, elle n'a pas encore agi, il n'a rien fait d'autre que contre-attaquer. Mais parce que le moine contre-attaque. Le moine, en fait, il contre-attaque. Bah, cet ours, il a tapé fort. Putain, et puis il veut pas... quand même. Alors Gilgamesh est là, hein. Donc on va quand même soigner, on va quand même faire d'huile avant. J'adore ce jeu. J'adore le troll.
Ah, c'est clair, hein, c'est pas de la petite araignée. Ça, c'est quand même de la grosse araignée bien monstrueuse et tout. C'est l'heure d'affronter Gilgamesh dans un combat épique. Mon premier tour, un petit 600 de dégâts, ça va. Là, c'est honorable aussi. Ah ouais, c'est carrément honorable, là. Donc là, on vient de rouler sur Gilgamesh avec un monk, hein. Parce que le monk se fait rouler dessus par Gilgamesh, ne l'oublions pas. L'équipe est réunie. Tout le monde est stuff. De quoi, les araignées ou Gilgamesh? Bon, c'est totalement pété, ouais. C'est ça qui est fun. Mais attends, je peux faire pire pour le monk. Le monk là, on a dit monk, c'est bien ça. Par contre, le monk maintenant, je peux lui donner cover. Et surtout, le placer devant. Parce que là, le monk, il n'était pas au mieux de ses dégâts, hein. Là, on avait un monk qui était en mode je vais survivre. Maintenant, on est en mode, maintenant on a un monk en mode il y a un mage blanc dans l'équipe. Quelqu'un est totalement pété. Non, mais il y a pas mal de classes qui sont pétées, hein, je vous rassure. Donc on sauvegarde. Oh, j'ai quand même continué un peu. Ce serait bête. Il reste un moment de l'épicness. Voilà, maintenant le monk fait des dégâts, maintenant qu'il est plus en arrière-ligne. Pendant que le White Mage fait un one-shot. Alors, Battle Big Bridge, hein. Là on est sur le gros pont. Il faut s'enfuir. Et ça, c'est épique. Voilà, on va s'arrêter après cette scène de l'épicness parce que. Parce qu'il faut la faire, cette scène de l'épicness. Ah, non, c'est tellement épique ici qu'il faut le voir.
Je peux pas aller me coucher sans qu'on ait fait cette bataille sur le pont. Voilà, c'est... Le combat n'est pas fini! D'ailleurs, pour info, ce combat a été repris dans un raid, enfin dans un Trials, sur Final Fantasy XIV avec une reprise de la musique. C'est tellement épique, si vous jouez à FF14, allez le faire, mettez la musique. Le Trials s'appelle Battle Big Bridge, c'est un truc level 50. Et franchement, ça vaut son pesant de banane. Ça, c'est un de mes passages préférés de ce jeu, en fait. Alors, me demandez pas pourquoi, mais c'est un de mes passages préférés du jeu. Et les dragons, c'est classe. Franchement. Franchement, Crunchy, pas déçu d'avoir choisi le dragon, c'est quand même vachement classe, un dragon. Et c'est l'heure d'affronter Gilgamesh à nouveau! Il manque une grosse sentence au Knight. Et ce serait totalement bon à répéter. Merde. Merde. On spam du cure. Et on va péter ce boss. Alors moi aussi je sais faire. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a hautement augmenté son esquive et que j'ai rien pour contrer ça.
Là par contre faut huiler. Faut d'huile. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait très mal. Du bol, c'est pas tombé sur le même. Ça fait quand même vachement mal. Ouf. Bon, ça fait rien. Alors j'espère que ça va passer. Ça fait rien. Par contre, ça fait mal. De toute façon, ma meilleure chance, c'est de lui bourriner sa gueule. Donc j'essaye de lui bourriner sa tronche. Et donc Gilgamesh se barre à nouveau. Ce combat ne fut pas aisé. Alors remettre des MP hommage. Et c'est parti. C'est reparti, ce n'est pas fini. Cette scène de l'épicness n'est pas encore finie. On a eu un premier combat, mais c'est pas fini. Donc, Lena nous fait montre de ses talents de géomanceur. Élémentaliste. Ça a été très dur, cette version-là. Vite, la barrière! C'est trop tard! Ah, tout le monde est éjecté! Et tout le monde a été éjecté! Très très loin! Tout le monde a été éjecté à l'autre bout de l'univers, mais ce n'est pas grave. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ah ouais, non mais c'était... Attends, c'est la scène épique, quoi. C'est vraiment une des meilleures scènes du jeu. Et donc, il est l'heure du raid. Parce qu'il y a toujours un moment où c'est l'heure du raid. Ce que je voulais faire, du coup je fais n'importe quoi, voilà, c'est bon. Et j'ai raidé, ça tombe bien. Ça tombe très bien, je sais qui j'ai envie de raider, donc on va aller faire un petit raid. Pour fêter la fin de ce stream.
Donc, je vais lui demander d'aller raid Lion Popo. Il est en train de faire des tentatives de World Record sur Zelda Link's Awakening DX. Oh! Et je vous fais des bisous tout plein et je vous dis à dimanche pour le stream spécial pour les 100 followers. Des bisous, salut!